Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je filme enfin. Je voulais filmer cette semaine parce que j'ai un l'oral. Enfin, en fait, juste la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la merde. Je vous l'avais dit dans le vlog juste avant les vacances que vraiment la semaine de la rentrée, ça allait être la guerre. Et c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Je sais pas. Même moi, je me rends pas compte, mais c'est vraiment le cas. Dites-vous. Bref, c'est pas ce sujet. Je voulais vous filmer du coup mes révisions pour l'oral blanc, mais je l'ai pas fait, clairement je l'ai pas fait. Et du coup je voulais juste attendre dimanche pour vous filmer un peu la fin de mes révisions, étant donné que demain c'est férié. Et du coup demain je compte peut-être me coiffer, mais en fait ça dépend de comment je vais finir mes révisions aujourd'hui. Pour tout, parce que j'ai un DST de SVT mardi. Donc je sais pas si j'aurai le temps de réviser. Et si j'ai pas révisé aujourd'hui, bah demain je me coiffe quoi. Je me coiffe pas. Et je me coifferai dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, il faut que je révise SES, parce que j'ai pas révisé SES là. Et il faut que je révise. Donc non, c'est soit aujourd'hui, soit dans 15 jours, week-end de l'Ascension. Donc voilà. Mais bref, du coup là je fais ça. Et mon visionnage à Tados. Ouais, et du coup je voulais vous dire aussi que j'ai changé totalement l'organisation de ma chambre. Enfin, totalement, pas du tout. En gros, là, voilà, là, il y a mon bureau. Et en gros, voilà, là, c'est l'espace où je travaille. Là, c'est tout l'espace où il y a mes crochets. Là, c'est des trucs que je veux changer. Ça, c'est, j'ai coupé ce pantalon, j'en ai fait un short. Là, tout en haut, en fait, c'est juste des trucs que je porte plus et que je veux pas jeter, mais je veux modifier pour voir si je peux en faire d'autres trucs. Et là, en bas, avant, il y avait une valise et tout. Et des affaires. En fait, il y avait tout ce qui était là. Et il est 18h22 et j'ai presque fini. C'est la dernière. C'est la dernière intro truc. Après, il faudra juste que je fiche parce que je crois que j'ai oublié de faire. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai pas fait 2 EL. Celle du Père Goriot et celle-là, mais je sais pas. Je sais pas à quoi elle correspond, mais je crois qu'elle correspond à rien en fait. Bref, tout ça pour dire que j'ai fini. J'ai fini. Et du coup, là, il faut que je fasse SVT. Et je fais le quiz sur StudiSmarter. J'ai utilisé beaucoup moins. J'aurais utilisé là juste pour allemand. Et j'ai utilisé StudiSmarter pour faire un quiz pour connaître un peu les définitions. Là, et après, j'aurais fini. Il est 23h, je suis partie manger vers 21h et du coup j'ai mangé et tout, bref voilà, j'ai fait ma vie. Et le problème c'est que là tout à l'heure j'étais en train de faire mon exposé, mais encore c'est pas grave, ça peut attendre, étant donné que mon truc c'est jeudi. Et voilà. Mais le problème c'est que j'ai pas fait SVT et il est 23h et demain je compte me coiffer. Donc le problème c'est que soit je fais ça avant et je risque de pas finir à l'heure et le lendemain avoir une coiffure bâclée et j'ai pas envie parce que coiffure bâclée est égal à enlever une semaine après parce que mes cheveux ils tiennent pas. Du coup là mon projet, vous allez voir la fin. J'ai utilisé des verres parce que c'est la seule couleur que j'ai en entier et j'en ai beaucoup. Un peu de blanc parce que voilà, je voulais faire un rappel. C'est pourquoi c'est flou comme ça. Du coup voilà, là je suis à la moitié. Donc trouvez, je vous laisse trouver et écrire dans les commentaires ce que vous pensez que c'est. Lunette, là ma peinture c'est vraiment horrible. Mais vous inquiétez pas, demain je vais faire. Je lave les cheveux et tout bien soigné, ce sera parfait. Donc voilà, à demain. Bonne nuit. Donc voilà. J'ai encore volé l'une des vases de ma mère. Encore. Mais elles sont trop belles ces vases. Du coup, je suis obligée de les prendre. Et j'ai juste mis mon pantalon noir là et des Converse. Voilà, un parking tout mouillé. Yes, I would like to buy some travel insurance. Know you ride it, I might just die tonight, but you know I'm still coming through, baby. I'm just arrived. Je suis un peu en retard. Non, pas trop en vrai. Ah bah. Il faut que faut pas que trop je tarde, mais en vrai ça va, it's okay, c'est beaucoup mieux de... Oh. La feuille tombée ou je rêve. I know it's bad for me and you know it tastes so sweet, think I need your abuse, babe.
Bonjour, aujourd'hui on est mercredi et j'ai eu allemand, j'ai eu 13. Bon, on a un exposé qu'on va faire à Berlin donc j'espère avoir une bonne note. Enfin, je dois avoir une bonne note, genre 18. Si j'ai pas au-dessus de 18 de plus, c'est la crise. Que je ne peux pas descendre de 16 de moyenne en allemand, c'est pas possible. Et c'est impossible. Filmé quand je suis rentrée, j'ai filmé début, mais hier soir c'était hyper bien. Vraiment, j'ai aimé, j'ai beaucoup trop, j'ai énormément aimé, j'ai énormément apprécié parce que vraiment, genre, déjà j'ai rencontré plein de nouvelles personnes que je connaissais pas avant, et en plus, j'ai rencontré plein de gens, on a parlé politique et tout, c'était super, j'ai appris beaucoup de choses, et vraiment, ne croyez pas que les personnes qui sont dans la rue sont vraiment coupés du monde. Ça, je l'ai pas appris hier, depuis que je commence. En vrai, je l'ai très vite compris et tout. J'ai rencontré des gens qui avaient des radios et qui nous parlaient de politique comme ça, qui nous parlaient de tout ce qui se passait, qu'ils voyaient dans la rue parce que, enfin, ils vivent, enfin, ils voient ce qui se passe. Et en plus, il y en a un qui s'est fait vraiment frapper par la police et tout à une des manifestations. Parce que, en fait, enfin, les policiers croyaient que c'était un manifestant. Et du coup, ils l'ont pris à tabac, ils l'ont passé à tabac et tout, alors qu'il allait se trouver un travail. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de l'action, genre? Il allait se trouver un travail? Et les policiers l'ont frappé. Et du coup, bah, il était blessé. Il avait là tout ça. Il m'a dit il y avait des problèmes dans le dos et tout. Il ne nous a pas montré, mais. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité du truc? Genre, c'est absurde. Et il y a un Polonais aussi qui nous a dit. Parce qu'il y a beaucoup de Polonais dans la rue, en vrai. Je me suis rendu compte de ça. Enfin, dans mon quartier, en tout cas. Dans le quartier où je fais, parce que c'est pas exactement mon quartier, bref. Qui nous a dit que, genre, il y avait des personnes, genre, qui étaient droguées, enfin, droguées, qui étaient ivres sur la voie publique et qui avaient foutu le feu à sa tente. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre, il m'a dit ça, j'étais tellement choquée. Il m'a dit quoi d'autre? Il m'a dit que, ouais, il nous a dit, parce qu'on est quatre, enfin, hier, on était quatre, et il nous a dit qu'il y a des gens qui étaient assis sur le banc juste en face de sa tente et qui étaient là en mode, enfin, il parle pas français, donc là, je retranscris vraiment les mots qu'il nous a dit. Genre, il nous a dit qu'ils étaient posés, genre, dans une ambiance, enfin, dans une, enfin, ils étaient agressifs, et du coup, ils ont commencé, je sais pas si ils se sont battus, j'ai pas très bien compris, bref, en tout cas, la police, elle est venue après, et les personnes qui étaient là ont dit que c'était lui qui était agressif envers ces personnes-là. Vous vous rendez compte? Enfin, ils sont tellement seuls, déjà, isolés, et en plus, ils n'ont aucun moyen, parce qu'il y en a plein qui parlent pas hyper bien français, hein. La plupart se débrouillent, même si on comprend pas trop ce qu'ils disent, ça reste compréhensible, vous voyez? Mais déjà, tu pars avec un malus comme ça, et en plus, les personnes qui sont devant toi sont complètement avantagées par rapport à toi, tu vois? Donc, il m'a raconté ça, j'étais vraiment, genre, choquée, genre, vraiment... Faites attention, c'est même pas faites attention, c'est soyez un peu respectueux des gens qui sont autour de vous, Bon, j'ai fini ce que j'ai dit que j'allais faire. Et un an, l'objectif, ça va être d'apprendre les intros et les conclusions. Surtout les intros, parce que les conclusions, en vrai, en fait, c'est pas très dur. Il faut juste refaire le résumé du texte et pourquoi. Et répondre, en fait, à la problématique et c'est tout, genre. Donc, en vrai, c'est pas grave. Je vais lire, mais je vais pas m'investir autant que pour les introductions. Understood. D'ailleurs, Lauren Charlotte, waouh. Après avoir regardé, sachant que j'avais regardé aucune des chroniques de Bridgerton, et du coup, là, j'ai regardé, du coup, après, bien sûr, la saison 2, parce que la saison 1, je m'en fous. Je m'en fous. Clairement, j'ai regardé. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'il rencontre Kate, là? Elle arrive quand, Kate? Et après, je me suis rendu compte que c'était pas dans cette saison-là. J'ai fait, allez, next. Et je rentre dans mon oral, ça s'est super bien passé. Genre, super. Je suis passée sur un texte que je maîtrisais bien. Mon œuvre, je la maîtrisais normalement, mais elle m'a dit des petits points que je perfectionnais pour mon oral. Comme ça, j'allais avoir 10 assez sur 8, je crois, à l'œuvre. Je sais plus. En tout cas, j'allais avoir tous les points. Et ça s'est super bien passé parce que j'ai oublié un petit peu mon texte, genre, que je voulais dire sur l'oral. Et du coup, sur l'oral, sur le livre. Du coup, je l'ai dit, mais sous forme de questions. Je sais pas si j'aurais à m'envoyer les points pour ça, mais j'espère pas. Alors, j'espère pas. It was a very good day. Et franchement, vraiment, mais ma coupe, j'aime bien.
Moi, je vais pas d'aide parce que c'est pas exactement comme je voulais, mais vraiment ça va. Je suis contente. C'est les vacances. J'ai plein de contrôles, mais là, je suis débarrassée de l'oral, je suis débarrassée. Je me sens légère là, je saute. Mais voilà. Oh, you got power. Superpowers. Do you even know how to wield them? I got children. I'm special, but not like you. No, not like you. You're just like a flower. You're ever giving. That's a given. All God's children are special, but not like you. No, not like you. Lift your C'est super bon, mais c'est mieux avec ouais mes bagues gone. Parce qu'en fait, je vous explique. Hier, j'étais en jeu. J'avais mon stylo dans la bouche comme ça et j'ai touché cette bague avec et ça fait poc. Du coup, c'est celle-là qui maintenait parce que c'était la dernière où il y avait l'élastique et c'est celle-là qui maintenait tout le fil. Donc j'ai dû l'enlever. Mais je vais prendre un rendez-vous pour remettre mes bagues parce que là, ça va pas. J'ai fini ça. J'ai fini ça et l'objectif. Bah non, ça c'est bon, c'est fini. Et en fait, de base, je voulais mettre ça derrière. J'ai fait ça et je voulais le mettre derrière. Sauf que ça baille. Ça baille. Du coup, ça va pas. Du coup, j'ai décidé de ne pas le mettre derrière et de faire un autre truc pour pouvoir l'utiliser. Genre, je vais le mettre là. Voilà. Et ça, bah, je vais le faire avec des petits trucs comme ça parce que c'est la seule pelote qui me reste. Demain, j'irai en acheter d'autres. Parce que ouais, c'est la seule pelote qui me reste. Après, il ne me reste plus rien. S'il me reste une noire, mais voilà quoi. Après, il me reste. Ça va pas, non? Le son, monsieur? Et à part ça, il me reste des petits trucs qui me restent, mais il me reste rien. Il faut que j'achète du gris, du vert, du jaune. Il me faut des couleurs plus chaudes là, parce que c'est l'été et le vert, on en a marre. Du coup, voilà. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. Peut-être continuer. J'ai supprimé plein de vidéos parce que j'ai enfin investi dans mon Google Photos, ce qui a fait en sorte que j'ai pu supprimer plein de vidéos de mon téléphone et pour parce qu'elles sont déjà dans mon Google Photos. Du coup, bah, j'ai plein de place et je vais pouvoir faire plein de vidéos longues. Donc voilà, j'ai genre j'ai 33 gigas de livres. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Hein. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin si vous êtes arrivé jusque-là. Moi je continue la semaine prochaine avec un autre vlog. C'est les vacances mardi soir parce que après c'est la semaine de c'est l'ascension et après je pars à Berlin et après c'est encore un jour férié. Et voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Et gros bisous à vous. Bye bye.